Salut à tous les amis, c'est Alex Tech et Falco 14 Yep. pour un nouvel épisode, le 12e, hein, de Comment bien décorer sur Minecraft. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au chalet. Au chalet. Voilà, j'ai jamais décoré une maison, excepté une fois au chalet. Donc on a déjà un petit peu commencé à faire nos tests et nos bases, hein. Donc vous voyez que Falco a fait des piliers et des traits, enfin les traits. Structure. Des poutres, voilà, des structures Monsieur, je ne sais rien. en bûche. Je ne trouve pas mes mots, c'est tout. Donc des structures en bûche. Vous voyez, donc en fait, on va faire un étage, on va encore une fois faire une mezzanine, mais en plus grand ce coup-ci. On va faire en plus grand. Donc l'escalier va partir d'ici, va tourner, va arriver ici, et ici, ce sera un petit étage. Voilà. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc je prends des escaliers. Ça sert à quoi cette bûche? Ça sert à rien. Ok. Voilà, donc on prend les escaliers, on est parti. Alors pour l'instant, on fait comme d'hab, on fait ça un petit peu de façon dégueulasse, hein. Oh, c'est la bûche inutile, ça. Ah non, d'accord. Ouais, ok. Donc Falco est en train de faire quelques petites retouches en même temps sur les bûches qui sont là, qui viennent. Ah, du coup, faut mettre une poutre aussi ici. Hop. Qui viennent faire une logique, une cohérence. Donc ici, on va faire. Hop! Le virage de l'escalier. Donc, vu qu'on fait un escalier à 2 de largeur parce que la maison est grande, on peut se permettre de faire un virage de 4 de large. Surtout qu'en fait, Un l'escalier peu se comme ma fait bite. juste après. Ta bite fait 4 de large. Ah bah, on en fait plus. Ça fait un chunk. Ça fait Donc, ensuite, on fait la 56. mezzanine. Donc, alors là, pour la mezzanine, j'ai pensé à un truc un petit peu différent. C'est-à-dire, regardez, on va faire. Un petit peu de on va donner un petit peu de relief au rez-de-chaussée Un peu quand même. en prenant des dalles. Donc là, on va mettre des escaliers à l'envers. Vous voyez, ici aussi. Et ici aussi. Voilà. Et on va mettre ici des dalles. Comme ça, donc Est-ce posées que ça... sur le dessus. Vous voyez, et ici, Est-ce ça que donne. ça... Oui. Est-ce que ça te convient comme ça, Jean Bamoko? Ouais, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympathique. Ouais. C'est sympa. Sauf Je vais qu'ici, il essayer de faudrait le peut-être virer. juste mettre. Ça me gêne. En fait, c'est juste ici que ça me gêne, en fait, regarde là. Tu vois, ici, là, ça fait un peu bizarre, je trouve. Hop, Ouais, réglé. j'avais fait, mais je trouve que ça fait bizarre. Réglé. Oui, là, effectivement, c'est un petit peu mieux. Ouais. 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 Ouais, non. Oups. Non, pas là, non. Pourquoi tu mets des escaliers à l'envers là? Parce que ça fait partie du Ah plan. oui. Bon, tu peux pas faire comme ça, fais comme tu veux. Donc, par contre, du coup, ça fout en l'air une fenêtre, tu vois. Par contre, Oups, en train de péter attends. mon escalier, là. Ah. Si tu commences à foutre le sbeul, ça va pas le faire, je te préviens. Ah! Arrête! Bon, tu te démerderas. Donc, ensuite, on va continuer ici, donc on va faire. Hop, on continue à placer nos dalles. Alors ensuite, ce qui me pose une petite question, ici on continue aussi. Hop, voilà. Est-ce que je mets des barrières anti-enfants? Ouais, toujours. Ou alors, attends, on peut essayer une variante. J'aime bien, c'est toujours la sécurité avant tout. Bah ouais. Attends. Attends, si on t'a rien. Non, des barrières, ça suffit, je trouve. Hein. Je suis désolé. Par contre, ici, pilier, non. Donc le pilier qu'on avait mis, je préfère le laisser, je trouve qu'il va mieux. Ouais, non, remets les barrières en fait. Cherche pas à changer, des fois c'est pire après. Oui, bah le changement c'est maintenant, ok. Ouais, bah il vaudrait mieux pas quelque part. Bon alors. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On C'est va le faire un. changement qui Ah, te je fait crois qu'il avancer dans la pleut, vie. donc vous voyez sur mon chalet, il pleut, donc ça nous fait une C'est petite ton... atmosphère un petit peu dégueulasse. C'est ton destin. Attends. M'en occupe. Vas-y, j'ai pas le temps de faire le slash. Enfin le... Donc ici, on va couper les escaliers à l'envers pour mettre des blocs normaux. Dans le but de faire tout simplement un placard derrière l'escalier. Alors qu'on va peut-être bien l'agrémenter en fait avec ça, en fait, effectivement, que ça va devoir revenir ça. Donc,
Ça s'est mêlé un petit peu, j'ai une idée, on va peut-être essayer de faire. Comme ça. Ouais, comme ça, ça me paraît pas trop mal. Ça fait un petit décalage, oui, en fait, ça inverse un petit peu les choses, mais je trouve que ça fait sympathique. Donc, ensuite, ici, on va faire une petite porte qui va mener éventuellement ici à une petite cave. Bon, là, la cave, on va pas la faire, hein, mais qui peut mener éventuellement à une petite cave. Voilà. Une fois, Michel. Donc, on va mettre une petite porte en bois ici. Toc. Donc, on va mettre de l'intérieur pour faire du relief. C'est pas con ce que t'as dit pour la cave. De quoi? Ça fait un mur un peu trop uniforme. Ouais, je trouve aussi. J'ai une idée. Non, du coup, ça va changer ici. Quelle est l'utilité de remettre un bloc là si tu mets une barrière là? Autant mettre le bloc en entier. Ouais, mais j'aime pas trop. En fait, après, ça fait genre ici un truc comme ça. Ça me gêne un petit peu. Comme tu veux. Bon, écoute, on va laisser comme ça pour l'instant, on verra. Alors en revanche pour le mur, on va faire juste genre comme ça, ça pourrait déjà faire. Bon, t'arrêtes avec tes Florian Gaupe toi. Ouais. Faire un. Non, j'ai une idée pour que ça gêne moins, on va faire une continuité. Et ici on va faire comme ça, ça pourrait peut-être faire simple. Non. Sauf que ça modifie l'aspect extérieur. Exactement. Donc ça va être un petit peu hardcore. Comment on va faire? Tu peux tout simplement donner du relief. Ouais, justement, c'est ce que j'essaie de faire. Ouais. Stargate. C'est une idée, je suis preneur. Par contre, je vais peut-être mettre un chronomètre, parce que là... Regarde et admire. Les fleurs. Je viens d'avoir une idée sur le tard comme ça, attends. Tu vas voir, patate noire. Oh! Non. Les trucs rouges, c'est un petit peu étrange. Enfin, les plantes, ouais. Et les trucs rouges, c'est un petit peu bizarre, je trouve. C'est pas rouge. Ah bon, je trouve que c'est comme ça. Là. Bah, c'est couleur ocre. Ouais, mais enfin... Ouais. Reteste, on va. Reteste que je reviens. De loin ce que ça donne. Non, mais pas avec les barrières, avec les ocres. Les ocres. Ouais, enfin avec tes blocs bizarres. Avec ta clé colorée. Braille. Ça fait sympa, mais je trouve ça un petit peu prestigieux pour une cave en fait. Prestigieux? Bah, pour une des cave, c'est une cave. Hein. On s'en branle, c'est des plantes. Oh. Et des plantes, tu les mets où tu veux. On va laisser comme ça pour l'instant. Ouais, t'as raison, c'est trop prestigieux. Ah non. Comment mal décorer sur Minecraft. Ouais, non mais... Attends, je vais faire un épisode comme ça, je vais faire comment mal construire sur Minecraft. Ouais. Épisode bonus. Ouais, je ferai un petit épisode comme ça, ça pourrait être marrant. Mmh, effectivement. Donc là, la petite difficulté qu'on pourrait éventuellement avoir sur cette maison, ça va être pour faire la cuisine, en fait, donc... Je suis en train de me demander exactement où est-ce qu'on pourrait la faire. Parce que là, je pensais faire une chambre ici. Hop, nouvelle idée sur le tas. Non, j'ai une idée, c'est bon. On va faire une pièce ici. Alors le mur, on va essayer de faire en sorte qu'il soit pas trop uniforme quand même. Ce design. T'as vu ça? Donc alors, comment faire un mur? Non, mais je parlais pas de ça. Pas trop design. Ah, t'as fait un mur là? Bah ouais, je fais un mur ici. Ok. Par contre, en fait, il faut que j'arrive à trouver comment le rendre plus. Plus en relief. Donc, je vais utiliser la technique. Que je connais déjà. Là, pourquoi tu mets pas une ouverture, tout simplement? Un bar. Par exemple? Ouais, pourquoi pas, effectivement. Ah, c'est marrant, j'aurais pas mis. Enfin, c'est que mon avis, hein. J'aurais pas mis le mur. Si, justement, parce qu'en fait, ça fait la cuisine à côté. Ouais, bah au pire, après, je vais voir si je l'ouvre. Pour l'instant, je vais faire la cuisine ici. Pour pouvoir, bah, tout simplement, après, voir s'il reste de la place. Et je dis merci, je chante la vie, je danse la vie. je ne suis qu'amour. Donc, bah là, encore une fois, ça va être comme dans l'épisode précédent. Hein, on va remettre les mêmes petites bases.
Donc pendant que Falco est parti sûrement parler avec... Non, non, c'est bon, je suis toujours là, mais j'écoutais quelque chose. D'accord, ok. Donc, hop, on remet la même chose que dans l'épisode précédent pour faire un levier ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Non, je vais peut-être pas mettre l'évier ici, en fait. Des frites. On va peut-être mettre plutôt l'évier ici. Voilà. Et à ce moment-là, faire un mur... En fait, ce qui va gêner, c'est qu'il n'y aura pas ce qu'il faut pour faire un évier, à moins qu'on foute le robinet là-dessus. Voilà. Pas possible. Bon, écoutez, on va pas faire de robinet. Hein, pour une fois, on va pas en faire, ça sert. Au pire, on va voir après de l'autre côté si on en fait un. Pour l'instant, on va pas en mettre. Bah là, après, on va mettre toutes les bases d'une cuisine. Hein. Donc, qu'est-ce que je voulais que je dise pendant que Falco s'occupe de tout ça. Ah, t'as fait ta minute de tente de bois, c'est marrant. Bah, ça change. C'est sympa, c'est assez sympathique. Donc, nous, bah écoutez, pendant ce temps-là, on va faire quoi? On va juste faire un petit peu de. L'aménagement de la cuisine. Donc on va mettre pareil, toujours un frigo, tout ça. Donc allons-y. On va prendre ça, on va prendre des fours. On va prendre des fours, je disais. Le dispenseur. Et ça a l'air d'être bon. Les plaques de pression en pierre, en bois et en fer. Enfin, pierre, fer, bois plutôt. La porte et le bouton en pierre. Voilà, donc le grill on va le encore une fois. Non, le grill on va le placer ici ce coup-ci. Non, plutôt ici le grill. Ouais, on va mettre les fours ici comme avant. Et là on va mettre le grill ici. Donc là par contre je n'ai pas encore pris. Là on va mettre le lave-vaisselle, le coffre et le frigo ici. Donc le problème c'est que là vous voyez ici on va pas pouvoir faire un frigo automatisé. Donc on va faire un frigo entièrement comme ça. Puisqu'en fait ici il va être vu sinon. Donc ça va pas le faire. Donc on va juste faire un petit frigo simple. Donc là hop, ici on met ça à côté. Enfin du coup on va pouvoir inverser un petit peu, on va mettre ça ici et le coffre ici pour séparer un petit peu le blanc. Enfin le blanc, la couleur quoi. Donc comme d'hab ici, hop, voilà. Donc il fait la poche à découper. Là, toc. Ah ouais, effectivement, ça va être pas embêtant. Comme ça, voilà. Alors ici c'est dommage que Falco ait mis un mur ici parce qu'on aurait fait des bibliothèques sinon ça aurait pu être sympa. On verra après. Ici on va mettre donc notre coffre. Quoique non j'ai une petite idée sur quelque chose plutôt. Non on va faire un petit changement ici plutôt. On va mettre ça ici. Jusque là tout va bien. On va faire un double. Vous m'avez compris? Non. Ta gueule. Un double grill, excusez-moi. Qui sera peut-être plus... Attendez. On va mettre le grill ici, un four ici et un four ici. Voilà. Comme ça, bon, les fours sont un petit peu écartés, mais c'est pas trop grave. Hein. Donc, on prend un bloc-notes. Vous allez voir pourquoi, en fait, je fais autant de... Pourquoi je me prends autant la tête avec tout ça, en fait. Ouh, la TNT. Hop. Non, bah non. Voilà. On va mettre les hottes que je n'ai plus. Ici. Purée, mais décidément. Voilà. Donc les hottes, on va les mettre là. Comme ça au-dessus. Et là, par contre, vous voyez, ça va être un petit peu ennuyeux. Alors je sais pas si ça marche maintenant ça chez Mojang, si on peut effectivement faire ça. Je ne pense pas que ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. Donc on va essayer éventuellement de mettre ça ici comme ça. On changera par la suite. Peut-être pas en fait. On va peut-être mettre des fours. On verra par la suite pour mettre quelque chose ici qui va cacher. Je pense mettre des bibliothèques ou même une petite étagère. Vous voyez, par exemple, on va mettre ça tout de suite. Des escaliers en bois, on prend juste ça, ça va pas être compliqué. Des escaliers en bois. Donc par contre peut-être du lot de teinte pour faire un petit peu de changement comme Falco a fait. Donc un peu plus marron. Et là on va venir placer un petit peu voyageur comme ça. Voilà. Donc là vous voyez ça cache un petit peu. Ils sont toujours là, on les voit. Hein. Mais ils sont cachés.
Ils sont moins remarqués en fait, ça fait moins un truc dans le sol en fait. Et ici ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va en profiter, du coup on pourra mettre un coffre ici. Donc, par contre du coup on n'aura rien pour le soutenir, le coffre il va voler. Mais ce n'est pas trop grave. Alors ici on a un petit espace, mais c'est pas extrêmement dérangeant je trouve. Ça fait un petit peu, voilà, c'est pas non plus très très remarqué. Hop, le coffre du coup ici il va voler, je pense. T'as mis des dalles au plafond? Non, des fours, mais je les ai cachés au-dessus. Non, mais ah oui, d'accord, tout le plafond est fait de dalles en fait. Bah ouais. Ok. Attends, mais... Donc si on veut faire un petit peu plus de rapprochement, vous voyez, on peut faire une petite descente ici. Ça va un petit peu plus le coffre qui est soutenu. Du coup, il se n'ouvre pas. Ah oui, je suis con. Sauf que tes fours se voient du dessus aussi. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai mis une petite table. On va chercher après. Donc, vous voyez, on va laisser ça comme ça, tout compte fait. Mais sinon, regarde, attends. Simplement. Et puis, tu mets un banc, je sais pas. Ah ouais, j'avais pas pensé. Excellente idée. Mais ça faisait mieux avec le four quand même. Ouais. C'est pour ça, on pourra toujours les cacher après. Ah, par contre, dans l'autre sens, s'il te plaît. Parce que là, ça fait un peu étrange. Voilà, je t'en ai. C'est toi qui est étrange. Ah, mais ça, tout le monde me le dit. Là, par contre, j'ai juste oublié de remettre les plaques comme ça. Voilà, donc là, vous voyez, on a encore fini notre cuisine. Hein. Rien de pas compliqué, encore une fois. Maintenant, on va faire. Donc là, Falco, t'as mis ça. On va mettre des petits sets de table. Pardon. T'as un problème avec les sets de table, toi? Ah ouais, puis tout petit, je peux. Alors pas les sortir. On va mettre des sets de table en... Bon, on va les mettre en bleu clair, un petit peu de couleur. Comme ça, voilà. Du coup, en même temps, ça nous préserve de faire une table, au passage. Donc là, ensemble, on peut les ouvrir. Alors, on peut ensuite mettre des livres. Ici, ça va être ouvert, dommage. Voilà. Donc, on peut ensuite éventuellement faire un petit meuble ici. Pour mettre des bibliothèques. Alors, on va faire un petit truc de ce genre-là. Bon, là, ça va un petit peu faire étroit. Donc, on va faire un petit truc. Alors là, vous voyez, on va venir juste remettre des dalles. Comme ça. Alors là, on va prendre des escaliers en bois. Qu'on va venir, en fait, placer à l'envers. Ça va faire une petite table en quelque sorte. Donc voilà. Et ici on va pouvoir mettre. Voilà, du coup, on va mettre du bois en dessous. Comme ça. Ouais, ça fait un petit peu plan de travail. Bon, après, évidemment, on peut mettre des petits trucs genre des dalles en fer ou en bois. Moi, je vais en mettre en bois. Voilà. Ça fait juste du relief comme ça fait pas de truc trop de couleurs, etc. Donc on a notre petit truc. Alors là, ici, vu que c'est une maison qui est essentiellement en bois, on va pas changer le sol. On va le laisser en parquet. Voilà. Ton coffre lévite. Ouais, je sais, mais j'ai pas trouvé le moyen de l'attacher. Puis je trouve il s'encastre assez bien, je trouve. Donc voilà. Avec un escalier comme ça, non? Bah, ça sert pas trop à grand chose, mais. Bah, au moins pour donner l'impression, enfin, je sais pas, c'est toi qui vois. Bah, je sais pas. Ça fait. Oui, certes, il est plus encastré, mais peut-être en bois à ce moment-là. Vu que la maison est plus en bois, tu vois. Je sais pas, tu fous du bois partout. Justement, il faut mettre du bois partout. Bah, ouais, mais il varie un peu. Ouais, remarque, c'est vrai que t'avais peut-être pas tort, là, ça allait peut-être mieux, effectivement. C'est vrai que là, ça allait peut-être mieux avec du coup avec les fours en fait qui entouraient déjà la base. Si on met ça de façon à l'envers comme ça. Ouais, bon, on va laisser ça comme ça, de toute façon on pourrait toujours changer. C'est encore une fois, c'est vraiment des exemples. Alors. Donc on va passer. Alors par contre, on va mettre. J'ai envie de mettre. C'est moi ou c'est... Je pense que ça gêne un petit peu le truc ici. On va peut-être en mettre qu'un seul. As you like. Ouais. Ou alors on va au moins les décaler peut-être plus là-bas, tu vois. Je sais pas. Pour l'instant, on va en mettre qu'un seul au pire. Parce que en fait, je trouve que ça obstruit un petit peu le passage direct après, je trouve. T'as raison. Non, mais maintenant, si, on peut en laisser un, mais. Pas deux, quoi.
Ou alors au moins, ou alors on les déplace. Comme tu veux. Si, bah tu peux leur mettre, mais il faut juste le déplacer, quoi. On va le mettre là au pire. Ouais, voilà. Bah, c'est là qu'il était à la base. Oui. Ah, mais c'est de table. Il va manger salement, sinon. Donc, alors par contre, je voulais mettre un petit tapis à l'entrée. Donc, rouge. Je vais le mettre. Je sais pas. Je pensais que ça pourra peut-être faire un truc un petit peu sympathique comme ça. Comme ça, pas trop, mais un petit peu quand même. Comme ça, voilà. Tiens, je me demandais un truc. Juste un petit peu, histoire de faire un petit tapis comme ça. Ouais, c'est Ah oui, plus non, épais. c'est moins épais. Ouais. Moi, ça me plaît bien de faire un petit tapis comme Il est ça. un Bah, peu après, chelou. bah, la Honnêtement, il est un peu forme, bah, chelou ce ça, tapis. j'essaie de faire un. Au pire, on peut le faire s'arrêter ici comme ça, sinon. De manière à ce que c'est un petit peu Attends. plus. Ouais, à la limite, ouais. Du coup, attends. Quoi, tu crois? Bon, ça va être. À moins que tu veux le... Ouais, tu veux le faire, ce terme aussi. Ouais. Oh, merde! Du coup, ouais, on met ça. Tu peux en mettre un autre juste devant l'escalier, hein, éventuellement. Éventuellement, ouais. Oh, c'est de l'art! M'a tout à fait! Peut-être en rongeant un peu les bords. Ah, du coup, non, ça serait un peu bizarre. Bon, écoute, on va laisser comme ça pour l'instant. On verra à la fin si ça va, si ça va avec tout le reste. La neige. Je me suis gouré. Rouge et blanc. Ça Ouais. donne un aspect Ouais. un peu cible, mais. Ouais. Bah, rouge et blanc, c'était plus un panneau interdiction sur la route, mais. Peut-être en mettant du marron. Attends, merde. Je mets un canapé. Oui, pas un bon. Stop. Attends. Arrêtez-vous. Un peu caca quand même. Un peu quand même. Un peu quand même. Ah, orange, j'y ai pensé, mais Non. non. Viens voir. Non, bah rouge sinon. Ouais, éventuellement. 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 Bon, bref. Bah voilà, bon bref, oui, parce que là on est en train de s'éterniser là-dessus. Donc voilà, bah écoutez, c'est on arrive à une bonne vingtaine de minutes là, donc on va se laisser là. Dans la seconde partie, on fera des. Bon, on va faire sûrement l'étage, hein, bah sûrement, enfin, on va faire l'étage. Et peut-être quelques petits détails par ici aussi. Tu feras une cave du coup? Non, on va pas se prendre la tête à la faire. Ou Ah, alors tu l'as creusé. s'il nous reste un. Bah, j'ai creusé un petit dé par l'escalier, Tu mais l'as ça. creusé. J'ai fait un petit dé par l'escalier, mais au pire, on la fera s'il nous reste du temps à la fin de la seconde partie. Mais voilà quoi. Donc voilà, sur ce, Ok. n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des j'aime, et à vous abonner. Et d'ici là, bah, nous, on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Salut.